Bonjour à toutes et à tous. Nous clôturons ce matin ces assises du numérique éducatif de Polynésie première, de Polynésie française, pardon, dont je rappelle que ce sont les premières. Elles ont été initiées par notre ministère de l'Éducation, de la modernisation de l'administration et en charge du numérique. Alors ce matin, nous avons deux tables rondes. La première que j'anime aura pour thématique, bien entendu, celle que nous avons déjà évoquée depuis le début de ces assises, les dangers des écrans et des ondes. Je rappelle à tous nos internautes qu'ils peuvent intervenir en direct en nous posant leurs questions en français et en réaumarin. On attend beaucoup de questions de vous, hein, chers parents, parce que c'est pour vous que s'adresse plus particulièrement cette table ronde. Et elles seront traitées, hein, nous avons en régie deux personnes qui vont me les communiquer et je me ferai un plaisir de les relayer auprès de l'ensemble de nos intervenants qui sont avec nous sur le plateau. Alors cette thématique des écrans, il faut entendre derrière le mot écran tout type d'écran, hein, les écrans de télévision, et il y en a quasiment dans tous nos foyers en Polynésie française, mais pas que, il faut aussi évoquer la question des écrans, des ordinateurs, les ordinateurs fixes, les ordinateurs portables. Et je souhaite aussi que l'on entende derrière le mot écran les écrans des petits smartphones, des téléphones mobiles, des vinyles, comme on l'appelle un peu familièrement. Alors, pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons cinq invités que je vais maintenant vous présenter. Nous avons d'abord Madame Aria Autré, qui est parent d'élève à Papara. Elle est présidente d'une association de parents d'élèves. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est important que nous ayons avec nous un membre représentant des parents d'élèves, parce que, comme je l'ai dit, cette table ronde s'adresse plus particulièrement aux familles, donc aux mamans et aux papas, hein, qui ont des enfants et dont les enfants, effectivement, à la maison, utilisent, hein, et de plus en plus les écrans. Nous avons aussi le docteur Martha Balzani, qui est tantée médecin scolaire. Bonjour, tantée. Bonjour. Heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui, parce que forcément, on va parler de la santé. Est-ce que ces écrans ont un impact sur la santé de nos enfants, voire aussi de nos adultes? Je reviendrai vers toi, tantôt tout à l'heure. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur le directeur général de l'économie numérique, Karl Tefatau. Bonjour, Karl. Bonjour. Je ne sais pas encore si c'est un plaisir, on le verra peut-être à la fin. Moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir de partager un certain nombre d'informations que je vais vous livrer aujourd'hui avec des professionnels, notamment du secteur. Pour nous, c'est un véritable plaisir de t'accueillir, Karl. Et on a eu l'occasion d'avoir d'ailleurs des informations très intéressantes sur la situation de l'utilisation du numérique dans les familles en Polynésie française. Et je reviendrai vers toi, Karl, tout à l'heure, sur ton champ de compétences particulières. On accueille aussi avec nous Pierre-Louis Coutura, qui est l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, il y a un impact aussi sur les apprentissages, hein, on le verra avec toi, Pierre-Louis, tout à l'heure. Avec nous, nous avons aussi le plaisir, hein, d'accueillir Monsieur Jean-Claude Moinagrain, qui est inspecteur de l'éducation nationale aux îles Sous-le-Vent et qui a des compétences particulières en réaumarin. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de les utiliser pour nous faire une petite synthèse. Bonjour Moina. Bonjour Jean-Louis, Yorana. J'essaierai effectivement, avec les compétences que j'ai, de synthétiser les différentes interventions en réaumarin. Bien, voilà. Alors, donc, voilà le décor planté. Nos invités sont présentés et je vais commencer maintenant notre table ronde par faire un premier tour de table. Et je vais commencer à m'adresser à vous, hein, monsieur le directeur de l'économie numérique. Quel constat, hein, peut-on faire sur l'évolution de l'utilisation des écrans et des ondes aussi dans les foyers de Polynésie française? Et puis peut-être nous apporter des précisions sur l'utilisation qu'en font les mineurs, parce que c'est plutôt sur cette cible-là, hein, que la table ronde va s'intéresser plus particulièrement, mais pas que, mais d'abord sur cette cible-là. Alors, monsieur le directeur, à vous.
Alors, effectivement, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire très rapidement l'évolution des comportements qui ont amené à une utilisation des écrans. Comment je vais le faire? Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre de vous rendre compte à quel point en Polynésie, finalement, on est connecté. Alors déjà, nous sommes particulièrement bien équipés en Polynésie française. Nous avons un taux d'équipement de 62% de l'ensemble des Polynésiens, tout âge confondu. Donc ça, si on rapporte ça au ménage, vous doutez bien que le taux d'équipement, il est important. Et donc le nombre d'écrans qui sont disponibles dans les foyers l'est également. Ce qui est intéressant également, c'est que sur les équipements, sur les foyers qui sont équipés, nous avons plus de 92% d'internautes. Ça veut dire que quand on s'équipe, c'est pour aller, c'est pour naviguer, c'est pour utiliser les réseaux sociaux plus particulièrement. Je pense qu'on reviendra dessus. Il y a un élément, et vous l'avez abordé, au tout départ, c'est on parle également des écrans de télévision. C'est particulièrement important et ça a eu un rôle notamment pendant la crise et la période de confinement, puisque aujourd'hui on passe en moyenne 2 heures non-stop devant son téléviseur. Voilà. Alors j'ai pas sur ce chiffre-là, j'ai pas la répartition chez les enfants, mais je pense qu'elle est beaucoup plus importante, forcément. Il y a un élément par contre qu'il faut prendre en considération, et là on évoquait les smartphones. Alors, smartphone et des tablettes, je ferai un petit peu la distinction tout à l'heure. Sur le smartphone, on a une utilisation qui est en train d'exploser. Alors, on a un niveau d'équipement qui est en train d'exploser chez les plus jeunes. Alors, je ne sais pas si vous avez... Voilà, il y a une illustration derrière moi. Et si vous regardez, pour les enfants de moins de 11 ans, 10%, 11% me semble-t-il, d'entre eux sont équipés de smartphones. Et puis, plus on va avancer en âge, et plus ce niveau d'équipement va augmenter. Et donc, a fortiori, la connexion également et l'accès aux services est de plus en plus importante, dans les mêmes proportions d'ailleurs. Donc la proportion d'équipement, elle est égale à la proportion d'utilisation. Voilà, ça, ce sont des éléments de base pour notre, je pense en tout cas pour notre débat de ce matin. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous sommes sur une utilisation qui est plus que croissante, qui est exponentielle en termes d'équipement. Pourquoi ? Parce que il y a 10 ans, l'équipement des moins de 11 ans, même pas en smartphone, mais en téléphone mobile, était quasiment de 0%. Donc vous voyez déjà l'évolution que l'on peut avoir. Et puis, je pense qu'on reviendra dans le cadre du débat sur les ondes électromagnétiques, et sur les équipements, sur l'environnement électro qu'il y a. Tout ça, finalement, est interconnecté via des réseaux sans fil. Donc forcément, c'est un impact sur la société, sur notre économie, et puis sur les moyens, les façons dont on doit se connecter. Merci, Karl, pour ces premiers éléments. Alors, je vais maintenant m'adresser à toi, Martin, à notre Tauté, notre représentante de la santé. On le voit bien, les écrans sont quasi omniprésents dans les familles polynésiennes, et on l'a entendu aussi. Les jeunes Polynésiens, ils sont de plus en plus jeunes, possèdent déjà de la téléphonie mobile, smartphone, dit Karl tout à l'heure, et les utilisent forcément quasi quotidiennement. Le temps passé devant la télévision est important. Donc, en quoi, Tauté, finalement, les écrans peuvent-ils présenter un danger pour la santé? Et quel impact peut-on constater plus particulièrement chez les mineurs, voire chez les très jeunes mineurs? Parce que parfois, les écrans sont aussi utilisés dans les familles auprès de jeunes enfants qui ne viennent pas encore à l'école. Donc voilà. Alors, c'est vrai que moi, en tant que jeune médecin généraliste en hygiène scolaire au centre de la mère et de l'enfant, dans ma pratique quotidienne, la question sur le temps d'exposition des écrans, ça revient quasiment à chaque consultation pour les enfants et surtout pour les adolescents, mais aussi pour les petits. Donc, en consultation, nous, on a de plus en plus de plaintes et des pathologies qui sont liées à une surexposition aux écrans. C'est vrai que les dangers des écrans ne concernent pas que les enfants, concernent aussi les adultes. Donc, ce que je vais dire sur le plan de la santé, ça concerne souvent aussi les adultes qui consultent aujourd'hui leur smartphone 221 fois par jour.
Donc, moi, j'avais trouvé des chiffres plutôt sur les familles françaises, pas sur la famille polynésienne, qui possède aujourd'hui en moyenne 6 écrans. Et on voit tout confondu hein, dans une maison. Donc, ce chiffre-là est en train d'augmenter d'année en année. Et surtout, le problème, c'est que les jeunes et les très jeunes enfants, ils sont exposés dès les plus leur jeune âge à ces écrans, que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc, je pense qu'il y a quand même un manque d'information, que les parents ne savent pas que cela représente un danger. Ça peut être un danger, effectivement, sur tout ce qui est sur le plan cognitif, hein, dont Monsieur Coutura parlera plus amplement tout à l'heure, donc avec des retards de langage, des difficultés scolaires, mais aussi des problèmes psychologiques. On peut avoir des problèmes d'attention, des problèmes aussi des dépressions, d'isolement. Mais moi, si je me limite sur tout ce qui est physique et santé, c'est vrai que le premier lien que j'ai fait, c'est entre la durée d'exposition des écrans et l'obésité. Ah, ça a été très démontré chez les enfants. Il y a quand même un risque de surpoids plus important chez les enfants qui passent plus de temps sur les écrans, parce qu'il y a quand même une sédentarité, c'est-à-dire on est sur les écrans, donc on bouge beaucoup moins, et du coup, on prend du poids parce qu'on ne sort pas, on ne joue pas, voilà. Cela peut être aussi à l'origine d'un syndrome métabolique, donc c'est une pathologie qui peut être après précurseur de maladies graves. Hein. Je vous rappelle aussi comme le diabète et toutes les maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus et tout ça. Ce qui est important aussi sur le plan physique, c'est que les écrans ont un impact important sur le sommeil. Donc il y a une diminution du sommeil, que ce soit aussi bien en qualité qu'en quantité de sommeil. Donc si on dort moins, on est plus fatigué. Donc le lendemain à l'école, c'est plus difficile d'être attentif en classe. Et après, on peut avoir de nombreuses plaintes physiques, comme des maux de tête. Et voilà. Il y a aussi un problème qui est lié à la problématique de la vue. On connaît tous la lumière bleue. Donc la lumière bleue va créer aussi une fatigue au niveau visuel qui peut générer des maux de tête, encore une fois, des problèmes de sommeil. Aujourd'hui, je vous rappelle que l'addiction aux jeux vidéo, c'est une maladie qui a été reconnue par l'OMS. Donc ça, c'est au même titre que les autres addictions, hein, que l'alcool, ou aux drogues, ou au tabac. L'utilisation inappropriée du smartphone peut être également à l'origine des décès par accident de la route ou par selfie, parce qu'on a vu ça malheureusement. Et il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des dangers liés aux écrans à travers des réseaux sociaux, et notamment le cyberharcèlement, qui peut être, dans nos consultations, à l'origine des plaintes physiques diverses. Hein. Donc on peut avoir de tout, des douleurs abdominaux, des maux de tête, des problèmes encore du sommeil, mais ça peut aller très loin jusqu'à la dépression, des fois au suicide. Donc il faut être très attentif aussi à ce type de plaintes physiques. Merci Tauté. Évidemment, là, nous venons d'avoir un certain nombre d'informations relativement préoccupantes hein, qui peuvent impacter effectivement la santé directe de nos mineurs si cette exposition aux écrans n'est pas contrôlée. Alors, je vais maintenant m'adresser à Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Moana Greg, qui a une circonscription. Les écrans sont aussi utilisés à l'école, bien évidemment. Alors, pas forcément de la même manière qu'ils seraient utilisés dans les familles, mais les écrans et les ondes sont présents dans les activités pédagogiques, parce que l'éducation numérique, c'est effectivement un domaine qui est présent dans nos préoccupations, dans l'enseignement. Sous quelle forme est-ce que ça existe à l'école? Pour quels usages? Et puis, quelles sont les précautions qui sont prises à l'intérieur de l'école par les enseignants, par les équipes d'éducation au sens large du terme? Je crois qu'on comprend avec les deux interventions précédentes qu'effectivement, dans la société polynésienne aujourd'hui, il y a une réelle dimension exponentielle effectivement du numérique dans la société polynésienne. Et à partir de là, l'école ne peut pas rester en marge effectivement de l'apparition du numérique dans la société polynésienne. Donc il faut savoir qu'en prenant en considération ces éléments, l'école a le devoir effectivement de déterminer une véritable politique éducative en matière d'usage du numérique à l'école. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui sur le plan national, mais aussi sur le plan territorial,
Donc, dans nos écoles en Polynésie française, nous avons effectivement des lettres de rentrée de la part de notre ministère de l'Éducation qui définit effectivement de manière très claire l'usage du numérique au niveau des écoles. Par ailleurs, il faut comprendre que l'usage du numérique et l'usage des écrans au niveau des écoles sont également très réglementés. Il y a un cadre, au travers notamment de nos programmes d'enseignement, hein, qui donne des indications aux enseignants sur l'utilisation effectivement des écrans et du numérique à l'école. Nous avons un socle commun également qui définit là aussi la manière dont le numérique doit être utilisé dans les classes. Et je dirais de manière plus opérationnelle, nous avons aussi un cadre de référence. Et ce cadre de référence donne effectivement, je veux dire, des pistes de réflexion à nos enseignants sur les attendus, hein, de fin de cycle sur l'utilisation effectivement des écrans au niveau des écoles. Donc on voit que ici l'école n'a pas simplement un rôle effectivement pédagogique par rapport à l'utilisation du numérique, mais aussi un rôle, je dirais, éducatif, hein, et un rôle préventif eu égard à ce que nous venons d'entendre aujourd'hui. Donc les enseignants, effectivement, doivent se mobiliser également sur cet aspect éducatif et préventif. L'école a aussi un rôle, je dirais, de régulatrice des inégalités sociales, notamment pour l'accès au numérique. Dans nos familles polynésiennes, on l'a dit tout à l'heure, tous les enfants n'ont pas cette possibilité d'avoir accès au numérique et l'école joue effectivement ce rôle de régulatrice par rapport à ça. Mais bien évidemment, ce qui est recherché au travers de l'usage du numérique dans nos classes, c'est véritablement la construction des connaissances et des compétences, je veux dire, des élèves. Ça veut donc dire que l'usage du numérique, c'est-à-dire principalement, hein, et je vais surtout parler du premier degré, les écrans qui sont utilisés sont surtout les écrans des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes, voire des tablettes, hein, sont utilisés par nos enseignants, mais toujours de manière raisonnée, et à la disposition, effectivement, des apprentissages. Ça veut donc dire que les enseignants utilisent, je veux dire, de manière tout à fait réfléchie et raisonnée, hein, cet outil dans les différents apprentissages qu'ils mènent au niveau de la classe. Alors ça peut être utilisé en mathématiques, ça peut être utilisé en lecture, ça peut être utilisé en histoire, ça peut être utilisé dans les arts visuels, mais c'est toujours avec une réflexion bien déterminé pour ne pas trop exposer non plus les enfants à l'utilisation de ces écrans. Très bien, on comprend bien, monsieur l'inspecteur, que l'école est là finalement pour réguler les usages et en même temps pour peut-être poser les bons gestes pour que les enfants disposent de bonnes recommandations et qu'à la maison, ils puissent les suivre, hein, et aussi qu'ils les suivent en étant accompagnés des parents d'élèves. Malheureusement, l'école accueille aussi des élèves dont on aperçoit qu'ils peuvent présenter quelques troubles, peut-être en lien notamment à une utilisation importante des écrans. Je vais donc m'adresser maintenant à mon collègue Pierre-Louis Coutura, qui est UNASH. Comment peut-on savoir, alors c'est peut-être une question que pourrait se poser une maman ou un papa, comment peut-on savoir si son enfant est surexposé aux écrans et quels sont notamment les signes observables pour cela, Pierre-Louis? Ouais, merci Jean-Louis, bonjour à tous. D'abord, je voudrais un petit peu repréciser cette notion peut-être de surexposition, parce que à partir de quand justement on est surexposé? Donc il faut bien définir ça peut-être notamment en fonction de l'âge des enfants. C'est très difficile, hein, de poser des limites vraiment très strictes, mais ce qu'on peut indiquer à tout le monde, c'est que plus l'enfant est jeune, et moins il doit être exposé aux écrans. Alors, en règle générale, si on se base sur différents travaux de pédopsychiatrie, un enfant de moins de 3 ans ne doit pas être devant un écran. Alors, je sais que là, un certain nombre de personnes qui nous écoutent doivent être interrogatives, mais pour ce qui concerne les enfants de 3 à 6 ans, il faut limiter vraiment à 1h30, peut-être, ce temps d'exposition. Globalement, on peut dire que si on est 4-5 heures devant un écran, on est en risque de surexposition. Encore une fois, c'est d'autant plus important que l'enfant est jeune. Voilà.
Alors effectivement, comme l'impact est d'autant plus important que lorsque effectivement l'enfant est jeune, je vais surtout me centrer moi sur les petits et notamment sur les enfants scolarisés à l'école primaire. Globalement, on l'a dit tout à l'heure avec Martha, cette surexposition peut induire un certain nombre de difficultés, qu'elles soient d'ordre d'apprentissage, de comportement, d'attention, mais aussi de concentration et effectivement des problèmes de langage et d'interaction, c'est-à-dire de communication avec les autres, soit les autres copains, soit avec les adultes. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est finalement, pourquoi ? Pourquoi, lorsqu'on est surexposé aux écrans, ça a un impact sur le fonctionnement du cerveau ? Alors, je vais prendre un exemple qui, j'espère, va parler à tout le monde. Un jeune enfant se développe grâce à l'utilisation de ses sens. Évidemment, grâce aussi à ses activités et grâce à la manipulation qu'il a des objets dans le monde. Alors, si un enfant ramasse une mangue qu'il a trouvée par terre, comme ça, il va la regarder, il va la toucher, il va la peser, peut-être la goûter d'ailleurs. Il va en parler avec ses copains qui sont à côté de lui, il va la ramener à ses parents, il va en parler. Et tout le monde va lui répondre, et il va faire des commentaires. Et toutes ces informations sensorielles, que ce soit par la vue, l'odeur, l'ouïe, vont créer en fait des connexions dans le cerveau. Et vous savez que les enfants se développent, hein, notamment jusqu'à une dizaine d'années, on va le dire, globalement. Toutes ces connexions vont faire que finalement il va développer son intelligence, il va en fait apprendre. Effectivement, lorsqu'on utilise un écran, là, on ne peut pas être en interaction avec les autres. Et là, effectivement, donc du coup, on va créer moins d'expériences, on va créer moins de connexions. Et si on crée moins de connexions dans le cerveau, eh bien, finalement, on va avoir des difficultés ensuite en impact dans les apprentissages. Et ça, justement, notamment par rapport au langage. Et les enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans, parfois, en fait, répondent un petit peu à côté, utilisent le langage d'une façon plaquée. Et un enfant à qui on va demander « à qui sont ces savates, là, qui traînent ?», il va dire, il va répéter « à qui sont ces savates ?» ou « bleu ?» parce qu'en fait, il va reprendre un petit peu quelque chose qu'il a entendu dans une animation, dans un dessin animé. Donc, il ne va pas prendre conscience qu'en fait, le langage lui permet d'être en interaction et de demander des choses dans la vie courante. Merci Pierre-Louis, hein, information très intéressante. Donc on peut, en observant bien son enfant, on peut déceler certains signes qui doivent nous alerter. Et immédiatement, il faut effectivement réguler l'éducation que l'on en fait. Et puis on abordera après le volet, mais quelles préconisations, comment faire, vers qui peut-on se tourner tout à l'heure, hein. Je vais me tourner maintenant vers toi, Audrey, hein, notre représentante de parents d'élèves. Là, on a entendu déjà un certain nombre de choses que nos invités nous ont données. En tant que parent d'élèves, hein, tu as eu des contacts, bien sûr, lors des réunions, l'Assemblée générale, avec d'autres parents d'élèves. Quelles inquiétudes, finalement, les parents d'élèves ont-ils, hein, par rapport à ce sujet des écrans et des ondes ? Et de quelles aides, finalement, auraient-ils besoin, Audrey ? Alors, la plupart des inquiétudes qui me sont revenues, alors, c'était principalement par rapport, lorsque les jeunes utilisaient, allaient sur les réseaux sociaux, les parents me disent qu'il n'y a pas forcément de barrière virtuelle. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, même en tant que petit, que jeune enfant, tu peux accéder à des sites ou des vidéos qui ne seront pas forcément pour adapter à son âge. Je dis un exemple comme les sites porno et autres. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a les différents sites comme TikTok, Facebook. Pareil, les enfants d'aujourd'hui sont très poussés vers ces sites, alors qu'il faudrait peut-être diminuer et justement mettre des barrières pour ne pas qu'ils soient lâchés comme ça en liberté, quoi, hein, sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça, ce sont les principales inquiétudes qui me sont revenues. Par contre, les parents m'ont sollicité par rapport à ce qui pourrait être mis en place pour les aider justement. Donc déjà au sein de l'école,
pourquoi pas créer, enfin remettre en place encore des semaines du CP ou des semaines du CE1 ou des cafés des parents dans lesquels on établira une semaine. Les parents viendront à l'école voir l'évolution des enfants et pourquoi pas tenir un atelier dans lequel je pourrais peut-être parler de tout ce qui s'est dit ici. On entend bien donc il y a de réelles inquiétudes chez les parents. Sur le sujet des réseaux sociaux, on y reviendra tout à l'heure. Hein, c'est l'objet du thème de la deuxième vraiment table ronde qui va se situer juste après. Mais effectivement, vous avez raison de le signaler, quand on est sur un réseau social, on est confronté à un écran et parfois on y passe beaucoup de temps. Hein. Effectivement, l'écran, c'est l'objet, mais derrière, il y a aussi des contenus. Et c'est vrai que vous avez signalé l'idée que les parents sont inquiets par les contenus qui sont parfois accessibles aux mineurs hein, à travers ces réseaux sociaux, mais à travers aussi un smartphone. Hein. Alors, une première question pour compléter un petit peu l'intervention de la maman qui s'adresse à Karl. Qu'en est-il finalement de ce fameux contrôle parental que les opérateurs proposaient avant? Est-ce qu'on peut réguler ça à l'échelle de la Polynésie française, notamment pour limiter l'accès à des contenus qui seraient inadaptés hein, à certains mineurs? Alors sur le contrôle parental, c'est un peu compliqué. Je vais m'expliquer. Tout ce qui relève finalement du contenu dont on dispose, que l'on a à disposition sur les plateformes, ça relève en fait des compétences de l'État, puisque là on est sur la loi informatique et liberté. Les opérateurs par contre peuvent techniquement bloquer un certain nombre de contenus, mais je crois qu'en réalité ce qui a prévalu ces dernières années, ça a été plutôt la formation des parents et l'accompagnement des parents. Je pense que les programmes de sensibilisation seront toujours plus efficaces que du contrôle technique, clairement. Voilà. Très bien. Alors, voilà donc la première partie de cette table ronde posée. Je me propose maintenant, et je vous propose notamment, avec l'aide de mon collègue Moana Greg, que l'on fasse une première synthèse en Rio Tahiti des propos qui ont été tenus de manière globale, de manière à ce que les internautes qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec la langue française puissent quand même continuer de nous suivre avec quelques éléments du débat déjà posés clairement en Rio Tahiti. Chers collègues, donc Moana, à toi, pour 3 minutes, est-ce que tu peux nous résumer en Rio Tahiti ce qui vient d'être évoqué par nos différents intervenants? Aru mai te ino te ne wit ana o Jean-Louis, ya marman mai te ite mo feia e io mai reita to ite ne mhan. Ho era wo e eta tra to ite mo pro i fata a hier mai e te ye motia. Te ye te te wit a na cho e metu. Tēnā ora te ye metua, ia whaana avau ta utamari, e horo o avau, e piti tōna matheiti, e horo o avau, te ye mea, te ye mau vini, tā tātou e horo o nei, rtoi te mautamari. E te ani meire ona mea tano anei, te whaarara tmo evan a, i teine mhana, i raro a mai, te whaito e turu matheiti, e te tia, e horo o, te ye mau matini, roro wira, i rtoi trimau tā tātou mautamari. Me tā o tia me te he ona no te mea, e whiwhi e i porau no te ea. I roto i te mō tātara rā, i tātara hia mai, e Karl te whātau, tēnā ora ona e te ū ana ro atura parau no te e mō mātini roro wira, i roto i te tō te iate, tō tātou nei whenua. Tōnā ura a, ia ara mai te tātou, tō mō metua, no te mea nā tātou, e hor ona i te e mō mātini, i roto i te rima o tā tātou mō te mari. I ara tātou, i te mō whānhor a, e tātou mō eivān a, e pupu mai rei roto i tātou, no te mea te veira te te mō mau tauturu o tātou mau Eivan A, e hor o mai reitoi tō tātou rima, ia rauti i tātou te ie mau whaanhor A, ia i te parau hoa rā, no te whaohipar A te ie mau mātini. Nō ria, te ie mau manoa i mātara mai i te ine mhana, ia hoa rā, te whaito, matheiti tātou mau tamari e nenhe, e whaohipa te ie mau mātini roroura, me tā ōtia hia ona i te tēme. E te anit o mai rā, eha te tēme nenhe whāt A, tano huia i te tēmo tamari. Te tēme tātou mau Eivan A e whaanhoara i roto i tu mea te mhana hoe, nenhe parau e tīnia tātou te parau no te hoe hora
hein, ite tur atata to motmar i mo ite ne mo matini ro ruira ya ho te ye mo te ye mo hora te na ore ta to ite tata to motmar i e apo ahurat mo hap i atata to mo metua e hor ora ri to tata to motmar i noria me fofa ya hap o maitet o tato tato to mo metua na tato e rauti nei te ye motmar i ya hap o tato tata to mo fan hor anot mea i hap i mate i tato i tata to motmar i inya i te fa hyper ate mo matini te mea papura i raro mai te fai to e toru matheti me hau a i he hor o te mo mo he a i roto i trima o tata to mo tamari. Merci, mon cher collègue. Tout à l'heure, Madame Audrey, notre représentante de parents d'élèves, signalait aussi la nécessité et le besoin que les parents éprouvent qu'à l'école, il y ait des espaces de discussion et d'explication. Donc on va donc les poursuivre. Effectivement, cette période de crise sanitaire nous a un petit peu limité les concentrations de parents au niveau de l'école. Et on s'aperçoit, et vous le dites, et d'ailleurs on le rencontre aussi sur le terrain, que c'est nécessaire. La semaine du CP, la semaine de la maternelle, la semaine du numérique, ce sont autant de moments où effectivement l'école ouvre ses portes à ses partenaires principaux et notamment aux parents pour qu'on puisse échanger sur des sujets. Effectivement, le numérique, l'utilisation des écrans à la maison sont des sujets qui peuvent être débattus de nouveau au niveau de l'école. Nous avons déjà énormément de questions, donc on va passer maintenant dans la deuxième partie de la table ronde, avec une première question qui s'adresse à toi, Martha, à notre Tauté. A-t-on en Polynésie française des structures pour accompagner les enfants ou bien alors des adultes à sortir de l'addiction aux écrans que tu as évoqué tout à l'heure? Et c'est juste après ce jingle qu'on va maintenant traiter la deuxième partie de la table ronde. Voilà, Tauté, la question, elle est posée. Hein. L'addiction, effectivement, aux écrans, elle peut être observée chez certains patients, mineurs, mais pas que. Est-ce qu'on a en Polynésie française des structures pour accompagner ce type de patients à ta connaissance? Alors, en Polynésie française, il y a effectivement un centre d'addictologie qui s'occupe notamment de tout ce qui est addiction donc à l'alcool, aux drogues. Donc, je pense qu'ils sont aussi capables de répondre à ce type d'addiction aujourd'hui. Sinon, c'est surtout, c'est vrai, dans les services de pédopsychiatrie pour les enfants ou de psychiatrie adulte. Mais je pense que déjà, quand on se pose cette question-là, il faut d'abord consulter son médecin traitant ou un professionnel de santé pour en parler et puis qui pourra bien vous adresser à un confrère ou à quelqu'un qui pourra vous aider. C'est vrai qu'il n'y a pas des centres spécifiques pour les addictions aux jeux vidéo en Polynésie française. On peut le voir ailleurs dans le monde. Mais je pense que déjà, si on se pose cette question-là, allez en parler avec votre médecin traitant et voyez avec lui s'il y a des choses qui peuvent être faites ou pas. C'est important de se poser la question et d'en discuter avec quelqu'un, de professionnel. Tout à fait, merci. Et puis une autre question posée par un parent. Quand mon enfant de 2 ans pleure, je lui mets un Vini ou un smartphone sous les yeux, un peu la situation de smartphone nounou. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu en penses, Tauté? Malheureusement, ça, j'en parlerai aussi après. En aucun cas, le Vini, c'est un nounou. Hein, et en aucun cas, le Vini peut être donné pour calmer l'enfant. Effectivement, c'est pas très éducatif pour l'enfant de calme-toi, je te donne mon Vini. C'est ce que je vois régulièrement, malheureusement. J'essaie de sensibiliser les parents à ce problème. Là, je veux dire, avant, on pleurait pareil, mais on n'avait pas le Vini, hein, on arrivait à se calmer. Donc, il faut déjà parler à son enfant et voir où il est le problème et comment on peut le calmer autrement. Donc, effectivement, à 2 ans, on en a déjà discuté. Non, c'est pas une... Bien plus généralement, Tauté, puisque nous sommes ensemble, voilà. Quelles sont les recommandations que l'on peut faire aux parents, justement, pour qu'ils réussissent à mieux exercer leur rôle d'éducateur premier auprès de leurs enfants
et puis peut-être aussi auprès de leurs jeunes adultes, parce qu'il y a aussi de jeunes adultes qui sont toujours dans les foyers. Voilà. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le rôle des parents est primordial pour accompagner les enfants, mais celui des enseignants également. Il faut d'abord en discuter en famille et à l'école sur l'utilisation des écrans d'une façon raisonnée. Les enfants, surtout nos enfants et les adolescents, ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être accompagnés car ils ne savent pas encore se méfier des dangers d'Internet et des écrans et différencier le vrai du faux. Via les écrans, en effet, on a une modification des rapports à la réalité, des rapports à soi-même, mais aussi aux autres, à l'environnement, à la temporalité. Tout ça est modifié. Donc un enfant et un adolescent n'est pas capable de voir le danger derrière un écran. Donc c'est pour ça que le rôle d'accompagnement est très important, comme il l'a déjà dit tout à l'heure Monsieur Coutoura. Effectivement, comme la question qui m'a été posée, combien d'adultes aujourd'hui donnent leur portable? Moi, je le vois tous les jours en salle d'attente pour que l'enfant se tienne calme en attendant la consultation, ou au restaurant parce qu'on veut manger tranquille, ou dans les magasins, ou tout ça. Je vois de plus en plus d'enfants et petits, hein, petits effectivement avant 3 ans, collés à leur écran pour qu'ils se tiennent tranquilles. L'écran n'est pas une nounou, je ne le répéterai pas assez peut-être, et ne doit pas être donné pour calmer l'enfant ou pour l'occuper. Je ne vais pas diaboliser totalement les écrans parce que s'ils sont utilisés à bon escient, effectivement, et de manière raisonnable, sont une source d'information très importante et un outil de travail formidable. Hein. Ça nous permet d'être là aujourd'hui, ça nous permet de faire plein de choses. Donc, en pratique, il y a plusieurs supports hein, qui sont sortis, notamment la règle de 3, 6, 9, 12 ans par un pédopsychiatre. Mais à mon avis, c'est difficile de donner un temps d'écran précis pour chaque enfant. En pratique, moi, ce que je conseille toujours, hein, c'est les règles de base. Donc, pas d'écran le matin avant l'école, pas d'écran pendant le repas, parce que cela limite les interactions et les échanges. Pas d'écran dans la chambre, s'il vous plaît, parce que cela donne des problèmes de sommeil, d'endormissement. Et après, le lendemain, ils sont très fatigués, les enfants. Et pas d'écran avant de se coucher. Donc, on ne va pas dans la chambre avec son smartphone. Comme il a déjà dit, Monsieur Coutoura, les interactions sont très importantes pour les enfants pour se construire. Donc, parlez à vos enfants, ne leur donnez pas d'écran avant 3 ans, fixez des règles et surtout, essayez de les accompagner au mieux pour que ça soit pas dangereux. Voilà. Merci Toté. Voilà donc un certain nombre d'informations et de recommandations importantes pour mieux éduquer nos enfants qui sont entre vos mains, chers parents. N'hésitez pas encore à nous poser des questions pour cette table ronde-ci hein, sur les dangers des écrans et des ondes, ou sur la suivante, hein, notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de questions, mais on aimerait en avoir encore davantage. Alors justement, nous avons une question qui s'adresse à Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale. À l'école, on veut renforcer véritablement hein, les apprentissages par l'usage du numérique, à l'école avec un grand E, à l'école, au collège ou au lycée. Et parfois, effectivement, on demande aux enfants en continuité à la maison de travailler, de résoudre des problèmes, de faire un certain nombre de devoirs. Est-ce que finalement, ça n'entretient pas la dépendance avec les écrans? Voilà, c'est une question qui se pose un certain nombre de parents. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une véritable réflexion pédagogique hein, de la part des enseignants sur l'usage du numérique à l'école. On le voit, on sait qu'aujourd'hui, l'usage du numérique est présent au niveau de l'école, mais encore une fois, plus que les parents, je dirais, les enseignants qui bénéficient de formation doivent être vigilants par rapport à l'utilisation, effectivement, de ces écrans au niveau de l'école. Et c'est vrai que l'on peut assister à des séances hein, qui sont menées par les enseignants et qui sont extraordinairement équilibrées, je veux dire, sur l'usage, je veux dire, de la tablette pendant la séance. Ça peut être en début de séance, ça peut être en milieu de séance, mais ça peut aussi être en fin de séance pour faire la synthèse d'une séance. Et il est vrai que
Le lien ensuite avec la maison, là aussi, doit être encadré. Encadré par l'enseignant, parce que ça nécessite derrière. Et vous l'avez justement évoqué, madame, tout à l'heure, lorsque vous parliez de café de parents à l'école. Et je pense que voilà un bel exemple, effectivement, qu'il faut installer au niveau des écoles, permettre aux parents de venir régulièrement à l'école pour évoquer justement la question de l'usage du numérique et de la transition que l'on pourrait faire entre l'école et la maison, de manière à ce que justement les enfants ne soient pas surexposés et dépendants effectivement de l'usage de ce numérique. On tentait de la rappeler également tout à l'heure. Merci. Alors justement, ça va être un petit peu ma transition avec notre collègue UNASH. Il y a des usages qui se font au niveau de l'école, il y a des usages qui se font au niveau de la maison. Hein. Si un parent d'élève s'aperçoit que son enfant a des difficultés, et peut-être que ces difficultés sont en lien avec une utilisation un petit peu maladroite, excessive des écrans, est-ce que ce parent peut avoir de l'aide à l'école? Quelles sont les prises en charge qui peuvent être engagées pour aider à la fois les enfants et leurs parents à cheminer vers une meilleure santé, une meilleure éducation, une meilleure utilisation de ces outils numériques, dont on rappelait d'ailleurs Moana Greg, qu'ils sont tout à fait intéressants aussi pour construire le projet d'apprentissage des élèves, s'ils sont bien utilisés. Oui, merci. On va reprendre un petit peu différentes choses qui ont été déjà dites. Il ne s'agit absolument pas de supprimer les écrans, parce que ça sera complètement impossible. D'une part, on voit qu'il y a une évolution sociétale. Ils existent complètement dans nos environnements, et donc là, ça serait peine perdue. La seule chose que l'on puisse faire, c'est déjà le plus important, c'est limiter le temps d'accès, limiter les contenus, et ne pas les laisser seuls, d'autant plus lorsqu'ils sont petits. Mais quel que soit l'âge, il faut qu'il y ait un contrôle. Alors je voudrais rassurer aussi les parents, d'abord les déculpabiliser. On ne peut pas enlever les écrans, ils font partie de notre vie, et ensuite les rassurer. Car lorsqu'il y a effectivement, pour répondre un petit peu plus directement à la question, lorsque les enfants sont surexposés aux écrans, en fait, il suffit de leur enlever l'écran pour revenir assez rapidement à une normalité. Et donc, du coup, la question se pose de l'addiction. Tout à l'heure, on en a parlé. Alors, tous les parents ne vont pas aller consulter parce que la pédopsychiatrie va nous arracher les yeux, hein, donc ce n'est pas possible. En revanche, il va falloir proposer une alternative aux parents, une alternative aux enfants. Et donc, du coup, peut-être leur proposer une modification temporelle à la maison, modification un petit peu des activités, leur proposer peut-être une inscription dans un club sportif, faire des jeux de société peut-être à la maison, discuter avec eux, proposer des sorties, c'est-à-dire en fait modifier l'environnement de la maison. Peut-être il va falloir changer, si l'enfant a une chambre, peut-être là, modifier son espace pour que l'enfant ait un renouveau, modifier les habitudes pour que l'enfant ne soit pas confronté seul à cet écran, cet ordinateur. L'important, effectivement, est l'accompagnement, on l'a dit à plusieurs reprises. Après, il y avait une autre question tout à l'heure sur le Vini Nounou. Alors, justement, j'attire l'attention de tout le monde, tous nos auditeurs, sur les jeux, les jouets que vous achetez à vos enfants. Maintenant, un grand nombre de jouets comportent des écrans. Mais il existe aussi d'autres jouets qui permettent la construction, l'élaboration, le symbolisme. Donc rapprochez-vous des jouets qui permettent effectivement la petite voiture ou la dinette. Eh bien, ça permet à l'enfant de se construire de l'imaginaire, de construire, de parler, d'échanger. Et donc, avant le Vini, effectivement, eh bien, il y a des doudous, il y a des petites jeux colorés. Rapprochez-vous d'autres jouets peut-être un petit peu plus traditionnels qui ont effectivement permettre les échanges. Bien, merci Pierre-Louis. Voilà, donc un certain nombre d'informations, de recommandations éducatives fortes qui sont adressées à nos parents. Et puis n'oublions pas qu'ils peuvent aussi trouver de l'aide et du conseil à l'intérieur de l'école,
En allant rencontrer les enseignants, en allant rencontrer les directeurs d'école. Il y a aussi des enseignants spécialisés, il y a des psychologues au niveau de l'école qui peuvent à la fois les entendre et les orienter éventuellement vers des spécialistes si c'est nécessaire. Je reviens vers toi, Karl, maintenant, parce qu'il y a un certain nombre de questions liées au contrôle parental, tu y as répondu. Mais l'arrivée de la 5G, et là on va aborder, en plus de la question des écrans, celle des ondes, hein, l'arrivée de la 5G, est-ce que ça ne va pas aggraver la situation en Polynésie au plan sanitaire? Est-ce que le pays a pris des précautions en la matière? Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut faire un petit point sur cette question-là qui est réelle et qui se pose effectivement chez nos intervenants? Je ne vais pas tellement focaliser sur la problématique de la 5G. C'est une problématique parmi celles qui englobe les ondes de manière générale. Alors c'est vrai que le sujet de la 5G est venu raviver la discussion. Aujourd'hui, la difficulté que l'on a, qu'on soit la Polynésie, qu'on soit la France ou n'importe quel État dans le monde, c'est que on n'a pas d'études épidémiologiques de long terme, internationales, validées par à la fois la communauté médicale, scientifique, etc. Donc c'est un peu, c'est une posture, trouver la réponse aujourd'hui est un petit peu compliqué. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le sujet des ondes, la Polynésie française, elle est dotée d'un cadre juridique et elle le met en application concrètement au quotidien. Comment? Alors le cadre dont nous disposons, en fait, a été présenté il y a à peu près 2 ans et est particulièrement appliqué, notamment aux établissements scolaires, puisque le législateur chez nous a souhaité justement éloigner les équipements radioélectriques le plus possible et de manière raisonnable des établissements scolaires. Donc il y a des limites de distance qui ont été imposées, qui sont supérieures à ce qu'on trouve au niveau national. Nous avons également un cadre, ce même cadre en fait va poser les règles de comment est-ce qu'on va utiliser ou activer des équipements qui utilisent des ondes radioélectriques pour un usage pédagogique, avec des horaires, notamment pour les maternelles, avec des délais d'utilisation à ne pas dépasser. Donc voilà, ce cadre, il est déjà présent, il est appliqué. Et puis, quand je vous dis qu'il est appliqué, parce qu'on s'est rendu compte que dès l'application de ce cadre, des antennes étaient trop proches des établissements. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rapproché des opérateurs et on leur demandait tout simplement de démonter les antennes et de les repositionner un petit peu plus tard. Ce qui pose quand même d'autres problématiques, parce que vous doutez bien que notre société, elle veut voir moins d'antennes, elle veut être le moins exposée possible, mais elle veut de plus en plus de services. Donc voilà, c'est un vrai sujet sur lequel, d'ailleurs, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la réponse aujourd'hui, ni même autour de cette table. Hein. Je pense que il y a un élément qui est un indicateur, notamment pour le monde scolaire, qui me semble intéressant, c'est que le ministère de l'Éducation est en train de tester dans 3 établissements scolaires le déploiement d'un réseau LiFi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fournir de la connexion sans fil à des enfants, donc dans un cadre pédagogique, sans utilisation d'ondes radioélectriques. Alors c'est une technologie qui est toute nouvelle, qui vient d'arriver. Et notre ministère, en l'occurrence, nous a demandé de tester ça avec 3 établissements, dont le lycée de Réatea. Voilà. Donc on a quelque chose, je pense qu'on est un peu à la pointe en Polynésie sur cette expérimentation. Et si c'est efficace, c'est un coût quand même, eh bien je pense qu'on aura probablement une approche et un développement et un déploiement pour les établissements, etc. Je voulais revenir sur... Alors c'est vrai, moi je suis pas non plus pour la diabolisation du numérique. Pourquoi? Parce que, un, c'est un peu mon métier. Bien que des fois, j'ai l'impression d'être le méchant dans l'histoire. Juste peut-être pour rappeler une chose. Par nature, un couteau, c'est pas dangereux. C'est absolument pas dangereux. C'est l'utilisation qu'on va en faire qui va être dangereuse. Et je crois que le numérique, on est exactement dans le même cas de figure. Un couteau, si vous le donnez à un enfant qui est très jeune, eh bien, il a d'autant plus de chances de se couper. Donc ça rejoint finalement ce qu'on disait. Merci Karl. Nous voilà à demi rassurés pour les ondes, hein, en attendant cette expérimentation qui est très intéressante effectivement. Je vais maintenant terminer cette deuxième partie de la table ronde par notre maman, hein, qui est avec nous sur ce plateau. Voilà. Votre sentiment maintenant, en tant que parent d'élève, après avoir entendu nos différents intervenants, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes qui demeurent?
Quel est votre état d'esprit après avoir entendu les inspecteurs, le directeur général tenter ce matin? Alors personnellement, et j'espère que beaucoup de parents aussi nous ont écoutés, je suis plus rassurée parce que je sais qu'il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour aider le parent justement qui est dans ce souci-là. Donc après, il faudrait que les parents d'eux-mêmes puissent aller, comme vous le dites, vers les directeurs, les enseignants, parce qu'ils sont là pour nos enfants, mais aussi pour nous parents, pour nous conseiller, pour nous orienter peut-être vers des spécialistes. En tout cas, merci à tous. Voilà, je me sens plus rassurée en tout cas. Très bien. Et puis les associations de parents d'élèves peuvent être le relais également de certains parents vers l'institution, vers les directions d'école, vers le principal du collège, vers le proviseur du lycée ou vers le tenté scolaire. Donc c'est important qu'il y ait ce relais. Alors si je reviens à toi, Moana, est-ce qu'on peut faire une deuxième synthèse? Je sais que l'exercice n'est pas simple. Hein, une deuxième synthèse de cette dernière partie de table ronde en réotriti pour nos auditeurs et nos internautes qui ne maîtrisent pas tout à fait bien la langue française, et on les salue encore. Maria, et tu m'as dit que tu as 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 dit Te piti, pro ya no te tau a pro a et mon metu. Metia hoa ya fan ho hia, te te mo matutura amano, no te fara at mon metu, in eight pro hoa ya, no te fa hipar ate in mo matini rura, me fo fa ya pro hia at mon metu, irotuane, te te mo farereira, te omor out matiti, tropur out matiti, ya tau a pro hia te in a pro. Te piti o te tumu pro ta uitap ya mate, pro ya no te. No te fa hipar ate ye mo matini ro wira iroto i hoara te utua fare at pro no te fa hipar te itera tato i te nem hana ya haren ame tata to mo tomat ye tam a e tato e te ruet ora kita mar itana me a tana matini ro wira haren me ye tam a non avo te ri fa anhor a na tato to mo metua e imit mo rav ya ya te ye hipar ye tupu no tu me a e ore ro te tau ar apro ro to i te metua e tano atu tana to mar i te mo fa hitir ai no te nem hana te na o mai rat mo e van ai tato Iharu atu tātou, ia weho, ia tupu no ana te imof anhor a, ia weho ra tātou i te paraprau a, i roto i te metua e tāno atu i tāna tamari. I ria te mo tamari e ite to ai, te mo anhor a, te mo anhor a, e anhor hi a te metua, i roto i te utua whare. Parau atoa, no te tauir a, te mo anhor a, i roto i te orar a. No te mea, ia weho tātou i tātou mo tamari, i mua i te imo mati ni roruira, e mai tō muri mai. Te whaahiti rato tātou tāote, e tupu mai te imo mai poria, e tupu mai te mo e whiwhi tātou awhata tururuta, mo i te tātou te rief anhor a. No ria, e imit o tātou te mo rāwia, o whaahiti hora te ienei tā ato u i aru era, nen he pā e whanhot o te te mo whanhor a, i hare tātou mo tamari, i rāpea i te whare. E tu mo fai tar atino, no te hame te to rato huru, e tano atu te te mo hauti, i hoi te metua tāne anei, i hoi anei te metua wahine, i ria ta tātou matamari e i te papu e te fufa e veira i te taamura e ona e tano atu i tona metua. Promo, te veira hoa te ye mo matini roroira. Tēnei rā, nā tātou tomo metua e o mai te te ria parau, i hata tātou matamari, i a mai hia in e te nef anhora. Merci, voilà, pour cette synthèse très précise et qui résume assez bien les choses. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Alors, le sujet qui a été évoqué ce matin, je le rappelle, ce sont les dangers liés aux écrans et aux ondes. Et on a entendu au travers de l'ensemble de nos intervenants sur ce plateau que la question du numérique, aujourd'hui, elle se pose sur plusieurs manières. D'abord, il faut qu'on se dise ensemble que le numérique est devenu incontournable. Notre société, y compris notre société polynésienne,
est entré, peut-être un peu rapidement pour certains, dans l'ère du numérique. Et c'est un outil qui va exister de plus en plus à l'école, mais aussi dans la vie professionnelle et bien sûr dans les familles. Le problème qui s'est posé à nous et qu'on a débattu ensemble, c'est qu'il faut faire très attention lorsqu'on expose trop et trop souvent les jeunes enfants qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas encore les codes de lecture et d'interprétation de ces outils. C'est un outil important, certes, mais qu'il faut en réguler l'utilisation et qu'il ne faut surtout pas remplacer tous les autres outils qui existent éducatifs, comme les jeux traditionnels, comme le livre. Le numérique a toute sa place, mais rien que sa place. Il ne doit pas effacer l'ensemble des autres jeux éducatifs, y compris traditionnels, que nous connaissons par ailleurs. Et que parfois, il faut interdire, effectivement, à des jeunes enfants l'accès au numérique. Interdire, mais en expliquant pourquoi, et ne pas rester sur l'interdit. Notre rôle de parent d'élève, c'est effectivement d'éclairer également, et nos jeunes enfants sont tout à fait capables de comprendre pourquoi l'éducation est permissive par moments, et les moins dans d'autres occasions. Et peut-être qu'il faut aussi que nous, parents d'élèves, ou que vous, parents d'élèves, on l'est tous ici, on est aussi grands-parents d'élèves, nous montrions l'exemple, hein, Tauté l'a dit tout à l'heure, on colle un écran, une tablette sous l'œil des enfants. Il faut déjà que nous, nous-mêmes, nous utilisions de manière raisonnée aussi ces écrans. On montre l'exemple à table. Lorsqu'on est en famille, mais on ne l'utilise pas, l'écran, hein, de manière à favoriser les échanges. Pierre-Louis l'a rappelé, la communication est importante. Il faut qu'on se parle entre nous, entre adultes. Il faut qu'on parle aussi à nos enfants. Il faut que nos enfants, finalement, se construisent une bonne représentation du monde, aussi à travers les parents, et pas uniquement depuis ces écrans de télévision, depuis ces écrans de smartphones et de portables. Et vous l'avez entendu, hein, nous sommes là aussi pour redonner confiance aux parents. Ils en ont besoin. Certains sont démunis. Hein, Moana l'a rappelé. La maman aussi nous a signalé un certain nombre de choses. Et le dialogue est très important. Hein, le dialogue au sein de la famille, je viens d'en parler, mais aussi le dialogue au niveau de l'école. Effectivement, on voit que les espaces de discussion hein, dans l'école, dans le collège et dans le lycée sont encore réclamés au niveau des parents, ce qui veut bien dire que parfois, certains parents sont démunis face à ces questions et subissent finalement un petit peu de plein pied cette transformation numérique qui leur échappe par moment. Non, il ne faut pas perdre de vue que l'éducateur premier à la maison, ce sont les parents. C'est vous qui êtes maître du jeu. Et si vos enfants utilisent trop les écrans, c'est parce que peut-être nous manquons de vigilance à ce niveau-là et que parfois, on pense que c'est bien. Hein, comme l'a dit le papa, là, je lui mets un écran sous les yeux, je pense que c'est une bonne chose. Non, parfois, ce n'est pas quelque chose à mettre en place, à mettre en œuvre. Il faut résolument être très vigilant sur ces questions. J'espère que nous avons pu éclairer quand même un petit peu nos parents sur ces questions qui sont difficiles, qui se posent actuellement et qui vont continuer de se poser parce que, évidemment, hein, la transformation numérique dans laquelle est entrée la Polynésie française ne va pas s'arrêter là. Et peut-être un message d'espoir, n'est jamais trop tard, chers parents, pour réagir. Il n'y a pas de fatalisme à avoir sur ces questions. On peut toujours consulter le Tauté pour trouver de l'aide. On peut toujours demander aussi à l'enseignant de son enfant, au directeur d'école, au chef d'établissement, si ce qu'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. On a besoin d'être entendu. Et entre vous, parents d'élèves, c'est important aussi d'en discuter, d'en débattre, de manière à ce qu'en coéducation avec l'école, nous puissions avancer ensemble sur ces questions. À l'école, on continuera d'utiliser le numérique parce que c'est important aussi que nos enfants aient un usage citoyen éclairé grâce à des enseignants qui vont les accompagner pour que, à la maison, ils puissent continuer à être des citoyens numériques éclairés aussi pour ces usages. Merci à tout le monde. Voilà. Alors, si vous souhaitez prolonger, chers parents, cette quête d'information, nous avons un certain nombre de ressources disponibles à vous proposer. Elles apparaissent à l'écran, là, derrière moi. Il y a notamment cet excellent document qui s'adresse
tout particulièrement aux familles, qui est édité par le Centre d'éducation aux médias et à l'information. Ça s'appelle le guide « Tout écran ». Et dans ce guide sont évoqués quasiment tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. La fameuse Marguerite dont parlait Tanté y figure. La règle des 3, 6, 9, 12 y figure. La question des réseaux sociaux aussi y est traitée. Hein, notre maman en parlait tout à l'heure. Bref, comment aujourd'hui être un parent éclairé à l'ère du numérique? Ce sont des questions qui sont traitées dans ce guide. En tout cas, au nom de tous les intervenants ici, nous souhaitons à vous remercier. Et je souhaite moi-même, pour ma part, vous remercier, chacun d'entre vous, pour l'excellente contribution que vous nous avez apportée ce matin.
Chers parents, chers internautes, bonjour, Yaorana, merci de nous rejoindre pour ce direct Facebook Live, donc en direct des studios de la DG2E. Nous allons enchaîner, vous avez peut-être suivi la première table ronde consacrée aux dangers des ondes et les risques des écrans, avec de nouveaux participants, de nouveaux interlocuteurs. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, aborder la question, dans le cadre de ces assises du numérique éducatif, des droits et des devoirs en matière d'usage des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Snapchat, ce sont des réseaux dont vous entendez parler, ce sont des nouveaux modes de communication qui maintenant se propagent dans le monde. Ils suscitent de l'enthousiasme, ils suscitent également des inquiétudes, donc nous sommes là pour en débattre. Et surtout, sentez-vous libre d'envoyer vos questions, que ce soit en français ou en Réumahui, car elles seront traitées à certains moments. Et mon collègue Ernest Marshall, ici présent, fera des synthèses en tahitien régulières à deux reprises. Nous aurons, lors de cette table ronde, deux tours de parole et à chaque fois une synthèse en tahitien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Gaëtan Lelu, inspecteur de lettres. Je suis exactement dans le même rôle d'animation que mon collègue Jean-Louis Laflaquière lors de la première table ronde. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter, pour traiter de ce sujet lié aux réseaux sociaux, nos participants, nos interlocuteurs, et dans l'ordre, pour commencer, donc à ma gauche, Monsieur Pierre Lionard. Pierre Lionard, vous êtes président de l'Association des parents d'élèves du lycée Gauguin. Vous avez participé récemment, contribué largement sur le plan numérique au développement de ce qui est anticipé pour ce lycée, qui est assez précurseur dans le domaine. Nous aurons également, pour traiter de ce sujet, l'adjudant-chef Cyril Lerillon. Vous êtes commandant de brigade et vous êtes donc à la direction de la maison de confiance et de protection des familles de Polynésie française. Confiance, protection, vous avez compris qu'à travers ces deux concepts, nous avons quelque chose de très important à traiter ici en termes de vigilance. À ma droite, donc, Karl Tefahatou, qui est directeur général de l'économie numérique en Polynésie française. Karl Tefahatou nous a présenté une brillante conférence lors de la première journée de ces assises du numérique, qui a été très suivie et très commentée. Nous aurons besoin de son expertise et sa visibilité sur l'ensemble des usages du numérique et aussi des réseaux sociaux en particulier, parce qu'il a analysé la question de manière assez fine et ce sera très précieux. Nous avons parmi nous, ce plateau ne serait pas complet, il ne serait pas moderne, peut-être autant qu'on pourrait le souhaiter, s'il n'y avait pas avec nous ce que l'on appelle dans le monde des internautes et des réseaux sociaux un influenceur. Un influenceur qui est Teddy Tang, que vous connaissez peut-être déjà, qui vous salue. Teddy est un champion sportif, donc taekwondo, champion du monde, si je ne m'abuse. Il est également ingénieur, peut-être un peu trop, ingénieur. Il a énormément de cordes à son arc et il est très suivi sur les réseaux sociaux. Il nous expliquera un petit peu ce en quoi consiste son activité et en quoi elle peut être aussi positive pour notre jeunesse. À ma droite, mon collègue Ernest Marshall, inspecteur de l'éducation nationale du premier degré. Donc il est à la tête de la circonscription numéro 8, Punahouia Morea Mea. Et il est également en charge du dossier très important des langues polynésiennes dans le premier degré. Et à ce titre, fait énormément de missions dans les archipels pour que se développe les langues polynésiennes dès l'école primaire et, bien sûr, au-delà. Donc, grâce à Ernest, nous pourrons avoir des points en tahitien, des points de synthèse. Il sera à la fois le représentant de l'éducation nationale, pas seulement pour le premier degré, hein, également pour le second degré. Donc, cette tâche qui nous incombe et qui nous concerne au premier chef, puisque, bien sûr, c'est
le devenir de nos enfants, leur usage des réseaux sociaux, les points de vigilance qu'il nous importe de dégager, et également, bien sûr, tout ce que ça peut avoir de positif à l'école et dans la société, puisque Teddy en sera une illustration. Pour commencer ce premier tour de parole, je vais commencer donc en donnant la parole à Monsieur Karl Tefahatou. Monsieur Tefahatou, vous êtes directeur donc général de l'économie numérique. Quel constat pouvez-vous faire en termes, à l'échelle de la Polynésie française, mais peut-être en le recitant, si vous le souhaitez, dans l'économie mondiale du numérique, sur les usages des réseaux sociaux et notamment, peut-être, par rapport au reste du numérique? Ok. Peut-être deux petits points pour commencer. Je ne suis pas directeur général, je suis directeur. Pas encore général. On va se tutoyer, ce sera quand même beaucoup plus convivial, d'accord, notamment car... vu la population qu'on essaye de capter. Alors, un petit point sur quelques rappels de chiffres. J'ai l'impression de ressembler à Maître Capello en vous disant ça, mais 92% des personnes qui sont équipées en Polynésie française sont des internautes. C'est un élément qui est capital. Vous le voyez en illustration, par contre, 96%, dis donc. Je me suis trompé. Vous le voyez donc en illustration, la prédominance en termes d'utilisation des réseaux sociaux, puisque en Polynésie française, nous allons avoir 74% de comptes Facebook. Donc sur la totalité des internautes, 74% utilisent Facebook et 74% également utilisent YouTube. Vous voyez une forte prédominance de ces deux réseaux, avec en l'occurrence pour YouTube, on est moins dans l'interaction, on est plus vraiment sur du visionnage. Vous voyez en troisième ou en deuxième position le réseau Instagram qui arrive avec 50%, me semble-t-il, si j'arrive plus à voir les chiffres qui vous sont exposés, mais 24%, pardon, 51%. Je vais y arriver. Donc, pareil, on a des chiffres qui sont assez importants. C'est un réseau social qui a tendance à exploser, qui a explosé il y a 5-6 ans, qui est toujours qui n'est pas en perte de vitesse, qui est toujours en constante croissance. Par contre, il tend à être remplacé graduellement par le réseau TikTok, qui existe depuis 4 ans, mais dont l'utilisation est particulièrement en forte accélération en Polynésie française depuis 2 ans. Là, je pense que notre influenceur pourra nous expliquer peut-être pourquoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir, ont une part importante en fait de l'utilisation qu'on fait sur Internet. Alors, les chiffres vous sont peut-être pas présentés là, mais de manière générale, ça va concerner une tranche de population relativement jeune, à l'exception de Facebook, où on l'expliquait avant-hier, c'est devenu le réseau social des vieux. Voilà. Pourquoi ? Parce que le réseau a commencé à s'accélérer, à avoir une vraie dimension en termes de consultation et d'exploitation en Polynésie française à partir de 2011. Il a été lancé bien avant, mais en 2011, il est arrivé à grand renfort en Polynésie française. Beaucoup de services, d'entreprises ont commencé à l'utiliser. Et voilà, donc c'est le réseau des vieux. Maintenant, celui qui prédomine, c'est véritablement TikTok, chez les jeunes en tout cas. Quoi dire de plus? Ah oui, peut-être sur les comportements. C'est important, les comportements. Qu'est-ce qu'on fait le plus sur les réseaux sociaux? Eh bien, aujourd'hui, de manière la plus importante, on va, à hauteur de 70%, liker et dire que l'on aime un contenu. Point barre. On ne va pas beaucoup plus loin. À hauteur de 51%, on va contribuer à alimenter ces réseaux sociaux. Donc on va être un véritable acteur. Et puis, également, en troisième position, qu'est-ce qu'on fait? À hauteur de 24%, on ne fait rien du tout, ce qui nous laisse finalement penser qu'on est dans une société d'utilisateurs de réseaux sociaux qui mate, mais qui n'agit pas beaucoup malgré tout. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur les usages globaux, à la fois chez nos jeunes et en Polynésie française. Merci Karl. On voit que les choses bougent très vite dans le monde et en Polynésie française, les usages mouvants. On peut difficilement d'ailleurs prévoir ce que ce sera peut-être dans 5 ou 10 ans, parce que évidemment tout est dans les mains des internautes, dont tu as souligné les différents usages qui parfois en fait sont assez passifs. Alors sur les réseaux sociaux, on a souvent du texte, parfois court, parfois plus long. On a des images fixes, on a aussi des films. Et tout ça, on sait bien les uns et les autres que ça a des répercussions. Alors,
la fois émotionnelles, hein, qui peuvent être à la fois positives, qui peuvent être négatives. Et par conséquent, il faut qu'il y ait peut-être quelques garde-fous. Alors, je vais donner la parole à l'adjudant-chef Lorillon pour peut-être nous expliquer quel est le rôle de la MCPF, parce qu'on sent bien que, avec tous ces contenus qui nous échappent, en quelque sorte, la plupart du temps, ça peut susciter une angoisse ou une inquiétude, en tout cas, à minima, chez les parents qui, pourtant, sont aussi souvent utilisateurs. Alors, je voudrais faire un petit point sur la MCPF, puisque c'est une toute nouvelle unité. La maison de confiance et de protection des familles a été créée au 1er janvier. Elle remplace une autre unité de gendarmerie qui ne faisait quasiment que de la prévention. C'était la brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui avait été mise en place en Polynésie française en 1998. En fait, un des trois rôles principaux de la MCPF, c'est de faire de la prévention au profit des élèves, notamment du primaire et du secondaire. Donc à ce titre, on intervient chaque année. Moi, j'ai mis en place un programme depuis 2017 où on intervient dans la totalité des établissements scolaires primaires et collèges de Tahiti, hors la zone police, puisqu'on c'est la zone police, hein, c'est pas la zone gendarmerie. Et on intervient également dans les établissements primaires et secondaires de Moréa et des archipels. En fait, dans ce cadre, on intervient sur toutes les classes du CM1 à la 3e, toujours chaque année, sur plusieurs, sur deux thèmes principaux, la violence d'un côté et de l'autre côté, tout ce qui est substances psychoactives, tabac, alcool, PACA. Voilà. Pour l'établissement scolaire. En établissement scolaire, également. Voilà. Ça, c'est principalement en établissement scolaire. Après, on peut intervenir au profit des associations, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que notre contenu principal, c'est les établissements scolaires. Et on intervient donc à différentes étapes de la vie des élèves. Concrètement, en ce qui concerne Internet et les réseaux sociaux, on intervient à deux niveaux. Donc, dans le cycle 3, on intervient auprès des CM2 et auprès des 6e. Les CM2, en fait, on ne fait pas grand-chose, mais si quand même, on a mis en place depuis 2017 ce qu'on appelle le permis Internet. En fait, le permis Internet, c'est un programme national de prévention qui a pour objectif de faire apprendre aux élèves le bon usage d'Internet. Alors pourquoi je dis qu'on ne fait pas grand-chose, c'est qu'en fait, on fait la première intervention, la mise en place. On va venir par la suite, quelques semaines plus tard, sur l'évaluation des connaissances, éventuellement sur la remise du permis. Mais entre deux, c'est les enseignants qui, à l'aide d'une mallette pédagogique, c'est les enseignants qui vont faire travailler les élèves sur le permis Internet. Voilà, en fait, vous passez le relais aussi. Voilà, l'idée, c'est que nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre en place. Et après, les enseignants ont tout ce qu'il faut, des contenus pédagogiques, ils ont des DVD. Voilà, c'est vraiment bien normé. Ils ont les fiches d'évaluation, les affiches. Enfin, voilà. Et ça suppose que vous soyez toujours, évidemment, très à la pointe, puisque les choses vont très vite, comme nous l'avons vu. Bien sûr, c'est des mallettes pédagogiques qui viennent de Métropole, qui ont été mises à jour cette année. Et donc, voilà, on est avec eux, mais c'est vrai que le gros du travail, c'est les enseignants. Une fois qu'on a travaillé avec ces CM2, en fait, on va retravailler avec les anciens CM2, donc avec les 6e. Et là, on va intervenir sur les différentes formes de violence qu'on aura déjà vues avant. Mais on va intervenir surtout sur le harcèlement. Donc, le harcèlement, c'est les violences qui sont répétées. Et sur le cyberharcèlement, c'est les violences qui sont répétées par l'utilisation des réseaux sociaux. On en entend beaucoup parler. Vous savez que beaucoup sont inquiets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Écoutez, ce qui ressort chez nous, c'est que, en fin de compte, dans les brigades qui peuvent recevoir les plaintes, il y a très peu de plaintes qui sont déposées. C'est souvent traité en interne, soit en interne au niveau de l'établissement scolaire, soit en interne au niveau des familles. Dans tous les cas, en termes d'infractions, ce qu'on appelle des infractions, des actes qui sont interdits par la loi, ce qu'on reçoit dans les unités territoriales, c'est du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, ça va prendre la forme de commentaires qui vont être indélicats, ça va prendre la forme d'insultes suite à la diffusion de photos ou de vidéos que les gens n'aiment pas, et ils se permettent de le dire d'une manière générale. Mais ça peut être aussi la diffusion, la mise en ligne de certains contenus de type violence physique, comme on a pu voir, enfin on voit depuis quelques années sur PAPET le mercredi après-midi. Voilà, ça participe au cyberharcèlement. Et c'est ce type de plaintes qui peuvent être déposées par les parents et qu'on voit
On en entend souvent parler, effectivement. Donc, c'est un sujet qu'il faut regarder en face et trouver des parades et trouver de quoi, effectivement, circonvenir toutes ces difficultés. Alors, Ernest, on parlait de l'école, hein, l'école avec un grand E. Est-ce que les réseaux sociaux sont présents à l'école? Et si oui, de quelle manière et avec quel type d'usage? Oui, bien évidemment, les réseaux sociaux sont présents à l'école. Je pense qu'il faut dissocier deux niveaux, le premier et le second degré, tout simplement. Dans le premier degré, bon, l'usage des réseaux sociaux est encore modeste, puisque peu de jeunes sont de la tranche d'âge du premier degré ne possèdent de smartphone, déjà pour commencer, ou de moyens de se connecter à l'Internet. Je parle bien de l'école, hein. Il faut distancier plusieurs choses. Voilà. C'est une utilisation qui est faite notamment et qui a débuté avec, on a pu le constater, le confinement. Les enseignants, pour pouvoir opérer cette continuité pédagogique, ont commencé à échanger, ont trouvé des moyens pour échanger avec les parents, au niveau parents, donc adultes, par le biais de comptes Facebook, de groupes Facebook fermés. C'est comme ça qu'ils ont pu discuter, échanger avec les parents, mais aussi pouvoir toucher les élèves. Et à noter que ceci a rapproché les enseignants des parents. Voilà. Puis ensuite, à l'école en elle-même, le portable étant interdit dans le premier degré, donc les élèves n'ont pas accès aux réseaux sociaux sur les ordinateurs ou les tablettes numériques qui sont présentes dans les écoles, les choses sont bien cernées, on va dire, de ce côté-là. Il n'en demeure pas moins que l'on sait que dans les foyers, très tôt, les jeunes fréquentent les réseaux sociaux. Ça, on le sait. De nombreux jeunes, du moins, fréquentent les réseaux sociaux et surfent sur l'Internet. Dans le second degré, les choses sont tout autres. Là, de nombreux jeunes, on a pu le voir dans les chiffres annoncés par M. Tefatao, possèdent un moyen de se connecter, notamment un smartphone. Hein, et là, ils peuvent effectivement se connecter. Alors, on a vu une utilisation intéressante et pertinente dans certains établissements de professeurs qui mettaient à disposition les cours, pouvaient échanger par le biais des réseaux sociaux avec les élèves. Ça, je trouve ça, c'est très intéressant. Et ainsi, les élèves entre eux pouvaient passer les cours ou avoir accès également à leur évaluation. Hein. Voilà. Mais ceci a donné lieu à des dérives, bien évidemment, qu'on peut s'en douter. Hein, et dans certains établissements, donc, ils se sont vus fermer l'accès aux réseaux sociaux, mais au sein des établissements, fermés, et au profit de l'usage de NT, qui sont beaucoup plus cadrés et encadrés. Hein, voilà. Dans le second degré, on observe effectivement, dans la cour des établissements, une utilisation importante des jeunes et qui sont sur les réseaux sociaux. Là encore, on a pu avoir des chiffres donnés par la DGEN qui sont très, très évocateurs. Voilà ce que l'on peut dire. Une utilisation après pertinente ou pas, ça c'est autre chose. C'est un autre point. Mais voilà ce que l'on peut dire. Ne fait plus rempart par principe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement les utiliser, s'y appuyer à condition d'un cadre sécurisé, si je comprends voilà. bien. Voilà. Je veux dire, dans nos comment dire, les enseignants sont formés à cela, à l'utilisation. Il y a, bon, Monsieur Lourier en parlait du permis Internet, mais également les enseignants sont formés. C2I2E, les programmes nous donnent des indications claires. Le socle commun de connaissances de compétences, notamment au niveau de la formation de la personne et du citoyen, nous invite fortement à développer une attitude responsable dans tous les domaines, et notamment dans ce domaine qui est l'Internet de manière générale, et donc les réseaux sociaux. Puis nous avons maintenant également, depuis peu, de manière plus précise, des compétences à développer en matière d'usage du numérique et des indications claires en matière de la sécurité des personnes, et donc des élèves, bien évidemment. Finalement, comme c'était dit dans la précédente table ronde, ne soyons pas effrayés, mais
soyons lucides, regardons les choses en face, bornons-les, sécurisons-les, voilà, formons voilà. Le plus tôt possible. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a des points positifs, mais voilà, il faut à côté de cela bien borner, cadrer, encadrer nos jeunes. Et surtout développer cette conscience qu'ils ont, hein, c'est la formation du citoyen dont il s'agit là, hein, voilà. Merci Ernest. Et donc, pour développer un peu le regard de la jeunesse et puis un petit peu nous éclairer sur ces usages, Teddy, merci Teddy d'être venu. Teddy, est-ce que tu pourrais nous expliquer, en tout cas pour les personnes comme moi qui ne savent pas exactement ce que cela recouvre, ce que c'est qu'un influenceur, ce qu'il fait, etc., sur les réseaux sociaux? Okay. Donc, vous utilisez le terme influenceur, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser. D'accord. Parce que je me vois pas. Enfin, pour moi, influenceur, c'est vraiment, forcer les gens à suivre ce que je pense ou ce que je veux faire, etc. Mais moi, j'ai commencé les réseaux sociaux parce que, tout d'abord, au travers le sport, le taekwondo. Mm-hmm. Et après, ça s'est développé au travers de ma famille, de mes grands-parents, dans mon farapou. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment partager ma vie quotidienne avec les personnes qui me suivent, avec mes abonnés et tout, et créer cette relation-là de confiance. Parce que moi, mon but, c'est de pouvoir transmettre des valeurs. C'est pas forcément, lorsqu'on dit influenceur, c'est plutôt pour des produits. Ah, je vais vous vendre ce stylo, acheter ce stylo-là parce que je l'utilise et tout. Certes, ça fait partie de quelques aspects de mon job, entre guillemets, mais c'est avant tout les valeurs de la famille. Par exemple, sur TikTok, j'ai fait intervenir mes grands-parents. Et comme Carl le disait, pourquoi TikTok? Parce que je pense que c'est un réseau social qui est jeune. Et en fait, TikTok, c'est là où on fait des dons, c'est ça. Et ça dure très peu de temps. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça permet d'occuper notre jeunesse polynésienne à faire des danses, par exemple, à la place d'aller s'ennuyer en ville et faire des bagarres et tout. Je trouve que ça peut être aussi une alternative pour eux de s'occuper l'esprit parce que nos jeunes, ils s'ennuient. Ils ont besoin de reconnaissance aussi. Et à travers les réseaux sociaux, ils peuvent s'identifier aussi à certaines personnes qu'ils aiment bien. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, de transmettre que des bonnes valeurs, que des énergies positives, faire sourire aussi dans un monde où tout va vite, dans notre période aujourd'hui, ça permet justement de donner un peu de sourire aux jeunes et aux moins jeunes. Donc, c'est ça l'important. Et ton activité, elle est quotidienne? Parce que tu filmes tous les jours, tu publies tous les jours, ça demande du travail un petit peu tout cela? Ça demande beaucoup d'organisation, c'est vrai. Mais après, je le fais, je calcule rien du tout, c'est-à-dire que je ne dis pas je vais poster ça parce que j'ai envie de toucher certaines personnes ou quoi que ce soit. J'essaie vraiment d'être naturel, je joue pas. Ça ne sert à rien de jouer un personnage parce qu'en fait, ça se voit dans la vraie vie. Et en plus, on est à Tahiti, donc c'est tout petit, on se voit facilement. Donc, c'est quelque chose que, oui, je poste quotidiennement. La vente de mes fruits avec mes grands-parents, avec ma sœur. Lorsque les entraînements de taekwondo, quand je fais des entraînements, c'est juste génial de pouvoir montrer justement à cette jeunesse-là qu'il y a une autre façon de s'en sortir. Je dis souvent que c'est les parents qui ont un rôle important, mais des fois un enfant, lorsqu'il ne trouve pas de solution dans sa famille, lorsqu'il ne trouve pas de solution à l'école, il peut retrouver dans le sport ou en faisant des danses dans leur passion. Oui, on voit que tu intègres ta famille. C'est pas seulement toi, c'est pas seulement quelque chose comme ça de tourner autour de ta propre personne, mais que tu intègres dans un contexte avec ta famille. Ça nous donne un aspect très réjouissant et très encourageant. Là, je trouve que la famille, c'est vachement important. Et surtout à Tahiti, quand même. C'est un de nos fondements, la famille. Et c'est une valeur que je veux vraiment transmettre à notre jeunesse parce que je vois qu'il y a le lien qui est trop vite coupé avec la famille. C'est vrai que le contexte d'aujourd'hui va dans ce sens-là, mais il faut respecter nos parents, les personnes âgées, se respecter soi-même et respecter les autres. Oui, ce qui semble se dégager de toi, hein, c'est cette communion entre l'aspect traditionnel, respectueux du contexte de la famille et en même temps la modernité, l'attention vers l'avenir, tout ça. Merci beaucoup, Teddy. Tu développeras peut-être tout à l'heure un petit peu plus précisément cette question des valeurs hein, que tu souhaites porter auprès des jeunes. Et merci. Donc je vais maintenant m'adresser à notre représentant des parents, Monsieur Léonard. Alors là, on voit avec Teddy un aspect riant des réseaux sociaux, très
enthousiastes, positifs? Est-ce que les parents ont, eux, des inquiétudes, et de quelle nature autour de ces réseaux sociaux, notamment au lycée, puisque vous êtes parent d'élèves du lycée Gauguin? Les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'incontournable. Aujourd'hui, on ne peut pas aller contre. Comme disait Karl à la table ronde précédente, c'est vous donner un couteau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est un petit peu ça. Vous avez d'un côté Teddy qui fait des choses formidables et puis de l'autre côté des gens qui font des choses beaucoup moins formidables. L'inquiétude des parents, c'est qu'est-ce que va en faire les enfants? Qu'est-ce que vont faire les enfants de tout ça? Maintenant, ça c'est pour le réseau social. Pour le appliquer au niveau du lycée, le lycée Gauguin est entièrement numérisé. On a un ENT, pardon, on a un ENT. Il y a également un système de sécurisation de l'ensemble. Et les élèves, il y a deux parties dans les élèves pour les réseaux sociaux. Il y a ceux qui ont leur tablette propre, et là on n'a pas le droit d'interdire quoi que ce soit. D'accord. Et il y a ceux qui ont les tablettes qui sont louées. Et là, on peut mettre les applications qu'on veut. C'est-à-dire, on évite tout ce qui est réseau social en classe, etc. Alors, les enfants, eux, ils vont essayer de contourner tout ça. À nous de savoir comment faire pour véritablement, par la suite, et dans les futurs équipements au sein des établissements, qu'est-ce que va faire le décideur? Qu'est-ce qu'il va... est-ce qu'on va faire comme en métropole où les tablettes sont données aux élèves à l'entrée? Donc là, on peut contrôler d'une manière sûre et certaine tout ce qui est à l'intérieur. Mm-hmm. Ou alors, est-ce qu'on va faire comme on a fait au lycée Paul Gauguin? Les familles se sont équipées. Pour la plupart, elles ont eu leur propre équipement. Et là, les réseaux sociaux, on ne peut rien y faire. Parce qu'en cours, il est bien évident que certains élèves vont sur les réseaux sociaux en cours. C'était une maintenant, des questions qui était au centre, hein, justement, des ateliers de ces assises du numérique. Et donc, le réseau social par lui-même, comme je disais tout à l'heure, c'est incontournable. Alors, l'inquiétude, c'est l'inquiétude de tous parents. Qu'est-ce que vont en faire les enfants? Merci, Pierre-Léonard. Qu'est-ce que vont en faire les enfants? Alors, des questions sont déjà tombées, hein, ont été donc déposées sur les réseaux. Certaines sont en français, certaines sont en tahitien. Et je vais donner la parole à Ernest pour faire une synthèse de ce premier tour de parole, ce qui lui paraît le plus important en réo Tahiti. Tau ara prau o iha e te prau no te hono anatirara mai a Facebook, mai a TikTok anei. E mai te ahitihia. Uahare u anaroa te prau no te wha huipar ai te i maurawea. I rotoho ia te ui api nā muaro e te mou ta atapaari atoa. Tenei, e hapa ia te mou rawea ta tatou e nien he e rawe. No te i wha huipar a, e ia ha te mou te i wha huipar a e ia hahi. Ia hahi e atu, ia tere, ia hare atu tata tō wi api hoara, ni ai tu mō taua natirara tei ore tano. E traia, tuma tata tō enenhe e whiruri e haa mau atoa, ia tā o ti ahi ai tei mō, tei wha ohi par au tei mō hono atira natirara. Nā tātou pa ia te mō tātapaari, te mō metua, te mō urumitu hapi, e rawe te ie tuhu a hoipa. Traia te mea inenhe e tāpe amai, aita tātou tēnei inenhe e ape te ie mohi a, o ia hai te hono atira, natirara. Mai a Facebook anei, mai tau i parua tu, mai a TikTok, e te venei tātou mai te whahitihia, te mou whahui para tano mau, mai te whatianini a, te mou te prauno te atu aro, whatianini a, te prauno te utua whare, e hat mou uhipa mai te ei, e tano i arawahia. Trai e te temo mar o tatato e nenei tape amai. Maruru. Nous allons passer à la rubrique questions après le jingle.
Karl, pour toi la première question. Est-ce que tu te sens à l'aise avec cette question? Quels sont les dangers associés à l'usage des réseaux comme TikTok aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier là-dessus? Les dangers associés au réseau TikTok, l'utilisation des réseaux TikTok. TikTok en soi n'est pas plus dangereux ou moins dangereux qu'un autre réseau social. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est la publication des contenus. Clairement, le problème, c'est la publication des contenus et, en parallèle, la consultation de ces contenus par des publics qui ne sont pas autorisés à y avoir accès. Ce qui nous renvoie finalement à un autre sujet qui dépasse finalement TikTok, qui est comment est-ce qu'on va venir encadrer, comment est-ce qu'on vient contrôler tout ça, quel est le droit applicable, ce genre de choses, et quels sont les moyens coercitifs ou pas dont on dispose. Aujourd'hui, alors peut-être que je devance un peu certaines des questions, mais il faut savoir qu'en Polynésie française, tout ce qui relève des contenus ne relève pas des compétences de la Polynésie française. On est dans des compétences régaliennes, les compétences informatique et liberté, etc. Pour autant, il y a quand même des moyens d'action qui sont opérés, qui ne sont pas forcément juridiques, mais qui sont issus finalement de partenariats entre la Polynésie française et les services de l'État, le ministère de l'Intérieur en particulier. On en a parlé tout à l'heure sur le rôle du MCPF, le rôle de l'ex-BPDJ. Voilà. Donc aujourd'hui. Pas plus TikTok, clairement. Pas plus. Moi, j'ai un peu débordé. C'est une question d'un parent dont l'enfant. Utilise très régulièrement TikTok et qui se fait un peu de soucis. Alors, adjudant-chef Lorillon, c'est pour vous, quels sont les droits des personnes lorsqu'elles sont victimes de commentaires malveillants, de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux? Peut-il y avoir des poursuites au niveau judiciaire? Je pense que c'était un peu aussi le contenu de du deuxième tour de parole, mais peut-être en quelques mots. Le droit, c'est le droit de tout à chacun de déposer plainte, tout simplement. On se présente dans une unité de gendarmerie ou à la DSP et on a le droit de déposer plainte. Alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tout est en ligne. Donc on vient avec ses captures d'écran, etc. Et on va demander aux gendarmes de pouvoir déposer plainte et que la personne soit poursuivie. Après, l'enquête sera faite. On ira chercher les informations à droite, à gauche. On a des spécialistes en gendarmerie comme en police, des spécialistes des réseaux sociaux et d'Internet. Et du coup, tout sera donné à la justice pour qu'elle puisse faire ce qu'il y a à faire là-dessus. Mais il faut vraiment... Alors moi, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de plaintes. Il ne faut pas hésiter. Pour moi, c'est aussi de la prévention de déposer plainte, parce que les gens ne vont pas aller forcément en prison parce qu'on a déposé plainte. Il ne faut pas hésiter à le faire. Ça protège les enfants, notamment. On demande également s'il existe une mallette pour les parents, avec des conseils pour les guider dans l'accompagnement de leurs enfants. C'est probablement une demande qui émerge fortement. En ce qui concerne le permis Internet, si on parle de ce type de mallette, ils peuvent aller sur Internet. Permisinternet.com, je pense. Et ils auront les informations sur... Merci. À condition de... Voilà. Sans s'inscrire, sans rien. C'est un site Internet, tout simplement. Je passe une question, justement, sur le permis Internet en Tahitien à Ernest. Adjudant-chef Lorient cette question vous est adressée. Existe-t-il un permis Internet pour les parents également? Non, on n'a pas de permis Internet pour les parents. Maintenant, encore une fois, sur le site, ils peuvent aller travailler dessus. C'est vrai que les parents sont des gens d'une autre génération et c'est pas leur... ils ne connaissent pas, d'une manière générale. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du permis Internet. On peut commander des permis Internet, ça, c'est plus au niveau professionnel. Mais ils peuvent se renseigner là-dessus. Et sur Internet, il y a un certain nombre de sites. Je pense à e-enfance.org qui donne un certain nombre d'informations. Mais non, pour les parents, il n'y a rien qui est fait, malheureusement. Permis internet
no te ahuipātoa, e te veiratoa, te veineatoa, te teimau tauana tirara, e horo anei te teimau aveiat, no te teimau aveiatoa, no te tautururai ai autou. Trai. Une question qui t'est adressée, Ernest, de la part du député Moete Brotherson, que nous remercions de suivre ce Facebook Live. Donc, il fait référence à la loi de pays du 26 avril 2019 sur l'encadrement depuis l'utilisation du téléphone portable dans les établissements et votée à l'unanimité à l'Assemblée de Polynésie française. Est-ce qu'elle est réellement appliquée ? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le premier degré, là, une interdiction claire et nette de l'utilisation de téléphone portable et de du smartphone, c'est sans ambiguïté. Dans le second degré, une utilisation plus souple, mais je veux dire, un usage qui est fait dans le cadre pédagogique. Mais ça, les professeurs essaient de l'encadrer au mieux, mais on ne peut pas éviter des dérives comme cela a été évoqué. Voilà ce que je peux répondre. Oui, merci Ernest. Alors justement, cette question du smartphone a été aussi au cœur de l'atelier 1 que je co-animais pendant les assises. Alors, on se posait la question de ce support pédagogique, puisque Karl nous avait bien montré que c'était lui qui était émergent et qui, si l'on devait s'appuyer sur un médium, c'était peut-être celui-là qu'il fallait privilégier. Donc des discussions se sont engagées. On essayait de voir un petit peu comment on pouvait utiliser le smartphone à des usages pédagogiques, étant entendu, bien sûr, qu'il y a beaucoup de précautions à prendre. Ernest, peut-être pour toi également, a-t-on prévu des campagnes d'information bilingues destinées aux familles pour leur expliquer ce que sont les réseaux sociaux ? Disons que nous le faisons dans le cadre des établissements, de l'information aux parents en général. Nous essayons de le faire autant que faire se peut en langue française, bien évidemment, mais aussi en langue polynésienne. Mais ceci me semble peut-être à développer encore dans le volet langue polynésienne, bien évidemment. Karl souhaite intervenir sur la question. Karl. Oui, effectivement. En fait, je voudrais intervenir à la fois sur les propos de Moete Brotherson, sur la fameuse loi qui a été abordée. La responsabilité, elle a été, dans le cadre des lycées, donnée aux chefs d'établissement, me semble-t-il. Effectivement, dans la réalité, la mise en pratique, elle est plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que, notamment, les professeurs se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'utiliser les smartphones des étudiants, justement, pour jouer la carte de l'interactivité. C'est pour ça qu'on n'est pas, sur quelque chose qui est applicable systématiquement, mais qui est laissé, notamment, dans le champ de compétences du chef d'établissement. Également, sur les campagnes sur les réseaux sociaux. Alors, pour le coup, c'est nous qui sommes chargés de faire ce genre de choses. Donc, on a eu une première campagne à destination des jeunes, donc de notre cible, alors avec un ton humoristique. Alors, vous l'avez probablement pas vu, c'est normal. C'était fait pour les jeunes, donc c'est pas pour nous. Et donc, ça a été diffusé via les médias sociaux, avec un ciblage sur certains âges. Et là, on s'apprête justement à faire à peu près quelque chose de similaire, mais cette fois-ci sur un média complètement différent et qui sera à destination des parents. Et ça, c'est une orientation qui a été prise par le ministère de l'Éducation. Merci infiniment pour ces compléments, Karl. Ernest, une question en tahitien peut-être qui pourrait être intéressante. Oui, il y a été tautur aitmo metua noterat il ataratomutamar imuaite ipeu api. Tahtato i tenei o ia i te urinei te mo te mar i mua i toratou niu niu a fai fai, o ia i te whaahui par a te hono anatirara TikTok hoara, te i hono anatirara i whaahui pahi anei te ui api. Te i ho te mea tahtato i tenei, te urinei rato i tenei. Tarara, te iete te tumu prautata to i tenei, te veia to onei te mofu au ipa a e tano, e tata mo tamar i, te ui api, e tano, e tato hapa noa, te veia to mo au ipa at mo ui api tano e tarato e ravenei. Tata te mea tana to e nehnei pahono. Très bien. Alors, également, une question qui est très intéressante. Réseaux sociaux et éducation, elle a été effleurée tout à l'heure. Y a-t-il un usage pédagogique des réseaux sociaux en classe ?
Donc, Ernest, peut-être que tu peux répondre sur la question, sinon moi, j'ai aussi des éléments de réponse. C'est-à-dire, à l'usage pédagogique, oui, on l'a vu, je l'ai évoqué dans le premier degré, notamment pour la question de la continuité pédagogique lors du confinement. Cet usage continu à être utilisé de manière cadrée et encadrée, bien évidemment, je parle de groupe Facebook, de communication entre les parents et les enfants, mais là, en classe, il s'agit de communication principalement, sur le plan pédagogique, de pages Facebook sur lesquelles on communique et qui sont des pages qui sont gérées. Tout le monde ne peut pas y déposer ce qu'il veut, ce que l'on veut. Alors j'ajouterais également, Ernest, si tu le permets, ce qui est aussi pratiqué, la tweeté sur le réseau Twitter, très encadré. Donc on en a un usage très intéressant parce qu'on se rend compte que des élèves pratiquent l'orthographe, donc les compétences orthographiques, parfois à distance avec des interlocuteurs qui peuvent se trouver. On a donné l'exemple à Dubaï, dans une école française. Et par conséquent, dans cet espace francophone, ils partagent avec ce réseau social des défis, des explications, parce qu'à chaque fois, il faut essayer d'amener une explication qui soit appuyée sur des règles. Et donc là, on a l'exemple type de l'utilisation pédagogique précise et encadrée, sécurisée, recommandée par l'Éducation nationale aussi, d'un réseau social. C'est assez original et c'est pratiqué aussi en Polynésie française, bien sûr. Voilà. Et de manière très active. On va peut-être passer au tour parole numéro 2. Ernest, si tu veux peut-être faire quelque chose en langue tahitienne ou... Tour de parole, le thème. Il y a tatato tumupro, petit au tatato tumupro. Il y a tmof awer a tatato et ninhe étape amai et vavou atou. Tmof étato tmof tia et amai te mana. Maruru. Et donc Ernest, c'est à toi que je m'adresse justement. Là, on va être peut-être les uns et les autres en train de se diriger vers quelque chose qui serait de l'ordre d'orientation, de recommandation. Ernest, quelles recommandations ferais-tu, notamment aux familles, aux parents, pour ce qui est de l'usage des réseaux sociaux, et notamment en termes de devoirs, en fait, quelque chose qui soit un peu de l'ordre de la morale et de l'éducation à la fois? Bien évidemment, ceci était évoqué et effleuré lors de la première partie de notre table ronde. Il s'agit d'éduquer à l'usage du numérique avant tout, de responsabiliser nos jeunes autour des dangers éventuels des réseaux sociaux. Je pense que les choses sont avant tout là. Au niveau de l'école en elle-même, les choses sont cadrées, les textes existent. Et les enseignants font de leur mieux de ce côté-là. C'est plus de l'ordre de l'éducation maintenant, de la prise de conscience des jeunes qu'il convient d'approfondir et de développer au sein des familles avant tout, mais au sein de la société, au-delà des familles. Je pense au niveau des familles, dans un premier temps, l'école s'en occupe, bien évidemment, mais ceci dépasse le cadre de l'école et de la famille, mais implique la société tout entière, de mon point de vue. Mais il faut aussi donner confiance aux familles, c'est-à-dire qu'ils se sentent parfois un petit peu démunis, impliqués, leur donner des outils. C'est ce que nous essayons de faire, nous déjà, au sein des établissements, mais peut-être il y a des choses qui restent à développer, à destination du grand public, des parents. Merci beaucoup, voilà. Ernest. Adjudant-chef Cyril Lorillon, en matière de droits et de devoirs, là, si on devait donner quelques petits éléments... bien, auxquels peuvent s'accrocher les familles. On est sur des utilisateurs qui pensent qu'Internet et les réseaux sociaux, c'est un grand espace de liberté, où on fait ce qu'on veut et on met ce qu'on veut, sauf que non, c'est quand même régi par un certain nombre de règles et de lois. Alors moi, il y a trois éléments qui sont importants pour moi, notamment pour les parents, les grands-parents qui ont en charge l'éducation de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. C'est quand même l'âge minimum pour aller sur les réseaux sociaux, pour avoir un compte. L'âge, c'est d'une manière générale, c'est 13 ans. Voilà. 13 ans, si je ne me trompe pas, dites-moi, c'est
fin de cinquième, début de quatrième. Voilà. Sauf que nous, quand on va dans les établissements scolaires, on se retrouve avec des élèves de sixième, de CM2, voire de CM1, et que je... En gros, pour moi, c'est entre 15 et 30% des élèves qui vont lever la main quand on leur parle des réseaux sociaux, qui ont leur propre compte, soit fait par les parents, soit fait par eux-mêmes. Ça veut dire que ce soit les parents ou eux, ont triché sur l'année de naissance, tout simplement. Alors, c'est pas puni par la loi, c'est de la responsabilité des parents, mais... quand même. Le deuxième point, c'est les contenus. Les contenus, il y a deux choses. Première chose, c'est l'image, le droit à l'image. En fait, on a le droit, nous, de disposer de notre image physique. À partir du moment où on va être pris en photo ou on va être pris en vidéo, les personnes qui vont faire ça n'ont pas le droit, sans avoir l'accord des parents ou de l'adulte, de mettre sur leur réseau social notre image. C'est juste pas possible. S'il y a un dépôt de plainte, il peut éventuellement y avoir des poursuites derrière. Et il y a une deuxième chose en termes de contenu, c'est on en a parlé, hein, de papeter, les films des violences qui sont exercées. Bah, le fait de filmer, quand on filme, on est considéré comme un complice. Un complice, c'est quelqu'un qui va aider l'agresseur à faire ses violences. Et donc on va risquer les mêmes punitions. Mais également, quand on va partager sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment une infraction spécifique. On risque quand même, quand on est adulte et qu'on fait ça, on risque une peine de prison jusqu'à 5 ans, on risque jusqu'à 9 millions de francs d'amende, c'est pas rien. Parce qu'on a partagé sur les réseaux sociaux. D'accord ? Donc les contenus, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le troisième et dernier point, c'est tout ce qui est partie commentaire. Voilà, on se comporte sur les réseaux sociaux comme on se comporte dans la vie. Je ne vais pas aller insulter mon voisin. Et voilà, j'entendais Teddy qui parle d'amour, de famille, etc. Je ne vais pas dans la rue aller insulter mon voisin parce qu'il ne me plaît pas. Ben là, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On risque une peine d'amende quand on se comporte comme ça. D'une manière générale, ça participe à ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Voilà, le cyberharcèlement, c'est harceler, fait de la violence répétée, par l'intervention, par l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est plus sévèrement puni que le harcèlement, je vais dire, simple, de face à face. Bien sûr, merci de nous le rappeler. Donc ce n'est pas parce que ça passe par une espèce d'image de virtualité qu'il n'y a pas de sanctions possibles, voire de condamnation. Il faut le dire, il faut le rappeler. Merci beaucoup, adjudant-chef Cyril Lorillon. Karl, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les orientations prévisibles du pays sur ces matières ? Alors, comme je disais, les orientations elles sont un peu particulières, elles ne sont pas d'ordre juridique, bien évidemment, puisqu'il y a déjà un cadre qui est applicable. Moi, je vais revenir peut-être sur les deux points qui sont les droits et les devoirs. Le premier point concerne le droit, et ça va réunir tout ce qu'on a dit, ça va rassembler tout ce qui a été dit ici, c'est que chaque utilisateur, chaque usager des réseaux sociaux est confronté à un certain nombre de contenus illégaux. Il peut et il doit, dans certains cas, se manifester, le signaler. Alors, effectivement, de temps en temps, c'est un peu compliqué parce que, en fonction des sujets, on a un peu de mal à aller se rendre à la DSP ou dans une gendarmerie. La démarche est des fois un peu, elle fait un peu peur, un peu effrayée. Et nous, au sein de la DGEN, eh bien, nous sommes également un réceptacle. Alors, je dis pas que ça fait partie de nos missions, mais il nous arrive effectivement d'avoir des contenus qui nous sont signalés, et c'est nous qui faisons cette démarche auprès de nos partenaires du ministère de l'Intérieur. Donc, lorsqu'il y a des sujets comme ça, n'hésitez pas. Il faut signaler, quel que soit l'endroit où vous le faites. Si la démarche est trop compliquée, faites-le auprès de la DGEN. On sera là pour vous accompagner lorsque vous êtes victime de cyberharcèlement. On a aidé les services de police à, pas à démanteler, mais en tout cas, on a eu une action de signalement sur des comportements pédophiles. Voilà, on a une vraie action, en fait, une véritable action avec nos partenaires de l'État. Le deuxième point, ce sont les devoirs. Le premier devoir, je pense, et ça va rejoindre ce qui a été dit par Teddy, c'est ne pas voir les réseaux sociaux comme étant une barrière entre les enfants et la famille. Au contraire, moi, je pense qu'il faut que les parents s'impliquent un peu plus, apprennent à comprendre comment est-ce qu'on exploite eux-mêmes, à comprendre les dangers, et éventuellement arrête de se faire des films quelque part. Parce qu'il y a aussi de ça. Des fois, on voit le mal un petit peu partout. Donc mieux comprendre l'outil et peut-être au contraire inverser la tendance et de faire des réseaux sociaux, peut-être un outil de communication dans certains cas. Et le troisième point, on attend beaucoup
des autres pour être formé. Je crois qu'un élément qui est capital, c'est pas valable exclusivement pour les réseaux sociaux, mais c'est s'auto-former et ne pas attendre que tout vous arrive livré. Il y a suffisamment de contenu sur Internet et vous trouverez toujours des explications. Voilà. Merci. Un message fort, peut-être, Teddy, avant de, que nous récapitulions pour, en tahitien. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Karl disait, que les parents, bien sûr, qu'ils doivent, il faut qu'ils restent ouverts par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux enfants, et aussi les enfants, à tous les enfants qui nous regardent, les plus jeunes. N'hésitez pas aussi à aller, de faire le pas vers vos parents, vos grands-parents, et même leur apprendre et les informer ce que c'est les réseaux sociaux et c'est un lien de communication. Voilà, dédramatisé. Monsieur Lionard, un mot de la fin. Le parent est le premier éducateur de son enfant. Donc, à partir de là, s'informer pour pouvoir le suivre et l'emmener vers ce qu'il y a de meilleur, et non pas vers... Et sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont très bien. Parfois, les réseaux sociaux sont plus... on communique plus facilement avec des gens très loin qu'avec ceux qui sont juste à côté de nous. Et donc, il faudrait inverser la tendance et plus communiquer avec les gens qui sont à côté de nous, sans pour autant renier ce qu'il y a à l'extérieur et au loin. Et apprendre, puisque le parent reste le premier éducateur. Pour ce message fort et clair, merci à nos deux derniers intervenants. C'était très, très, très intéressant de le signaler. Ernest, tu vas pouvoir faire une petite synthèse en tahitien. Maruru et Gaëtan. Oui, puoi tatatou inin heta pe mai o yari ro te mau hono atira na tirara ei hono ei ta amur ai ro to puit mo metua et mo te mari ei ha te rira ia yari ro ei fifi rato o ia ia tau a pro rato te mo te mari et mo metua ini ait au hui par ai te mo rave a api. Ja riro te rira ha puei a te hono i te tamur a ieru tu pui rātou. Ja niin hea tua pā te mou te ui api i a tauturu te mou metua tamari, te mou metua, i a hui pāra te mou rāwe a api. Te mea tua tatato i niin hea e tāpe a mei, i niin hea atua te rira, te i moi a, e tio e rāwe anō te api i a, i hei tato e hi o noa, hi o pānoa, e hi o noa i te mō fifi, i niin hea i ro a mei, trara e te mea, i niin hea e te tumu prau, i niin hea tāpe atua mei, ui hau i te prau no te api i a, te whaohi par a. Whaohi para ana roto i te maramara a, e iha tatato ui api i a whiwhi, na roto i te moia. Merci beaucoup Ernest pour cette synthèse en langue tahitienne. Il me reste à vous remercier, je vais faire peut-être une petite synthèse de ce qui a été dit et qui était riche et divers. Clairement, il ne faut pas craindre les réseaux sociaux en soi. On voit bien que les messages forts qui ont été portés récemment par nos différents intervenants, ça a été donc être près de ses enfants, dialoguer avec eux, être, comme nous le dit Teddy, en communication avec ses parents, même avec ses grands-parents, avec sa famille, démythifier, dédramatiser ces éléments, comme le dit Karl, s'auto-former, se former également, mais s'auto-former. Beaucoup de choses sont disponibles. On est conscient de ses droits, on est conscient de ses devoirs. Il y a des encadrements, il y a également des sanctions, donc il y a des dérives, chacun le sait. Les réseaux sociaux sont dans notre vie depuis assez peu de temps, finalement, pour la plupart d'entre nous. Et par conséquent, il est très important, puisque le temps passe et que les choses évoluent très vite, de regarder les choses en face. C'est ce que nous ont dit les différents intervenants. Et il peut y avoir des choses extrêmement positives qui se déroule. On voit avec Teddy un magnifique exemple qui est à la fois la réunion de la tradition et puis de la modernité. Il incarne à la fois l'aisance dans le corps et l'aisance dans l'esprit. Il incarne la Polynésie de demain, en quelque sorte. Et donc, je crois qu'il est avec porteur de valeurs très fortes, dont il a su nous rendre un témoignage assez sincère. Il est, je crois, l'exemple à suivre. Alors,
Pour ces deux tables rondes de ce matin, hein, vous pourrez les revisionner sur le site de la DG2E, donc dg2e.adne.pf. Vous pourrez retrouver les questions. N'hésitez pas à réagir à nouveau. Il est très important que tout cela ne soit pas de même que les assises du numérique qui vont se clore dans quelques instants à l'amphithéâtre de la DG2E avec la ministre et le vice-recteur. Il ne faut pas que tout ça soit un point final. C'est un début. On a tiré un fil de communication vers vous, en tout cas ceux qui étaient présents. Essayez de le prolonger puisque les vidéos peuvent être revisionnées. Profitez de cela, partagez, c'est très important également sur les réseaux sociaux et c'est très important entre nous. N'hésitez pas surtout à aller voir les ressources, notamment tout ce qui était appui des conférences. Je pense notamment à tous les éléments statistiques, au CLEMI. Pour l'éducation aux médias, à l'information, c'est très important. La famille tout écran également. Vous avez le guide qui apparaît à l'écran, donc ce sont des petits dossiers, des petits vademécum qui sont très bien faits pour les parents, très pédagogiques, très simples et en même temps très efficaces. Eh bien, nous allons prendre congé de vous. Je remercie tous les intervenants autour de cette table. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.